Faire bouger les objets par la pensée. À l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'expérience est bien réelle et elle s'ouvrira dès ce vendredi aux volontaires. On est encore loin de la télékinésie, mais grâce à une interface qui interprète les signaux du cerveau, le sujet peut actionner à distance un mécanisme de manivelle. Pour ces chercheurs, les applications futures sont colossales. Les interfaces cerveau-machine sont un domaine qui a beaucoup évolué ces dernières années et différentes applications sont prévues. La plus commune consiste à fabriquer des instruments d'assistance et de rééducation pour les personnes qui ont des handicaps cognitifs ou moteurs. Nous pensons notamment aux personnes qui ont perdu la faculté d'interagir avec le monde via leur corps ou qui ont perdu la faculté de communiquer. En devenant capables de faire cela via l'activité cérébrale, nous pouvons créer un nouveau mode d'interaction. 7 mois durant cette expérience ouverte aux volontaires collectera les données en vue d'améliorer l'interface cerveau-machine. L'expérience sera ensuite transférée aux États-Unis.